Alors salut à tous, aujourd'hui j'ai quitté les Vosges, en fait je suis en Maine-et-Loire, du côté de Mont-Saber. Et là on a pris le chemin, on va faire une petite un petit périple très rapidement jusqu'à la Loire, jusqu'à l'abbaye de Saint-Maur. En fait, donc ben voilà, à un côté d'où je campe, il y a des chemins assez sympa pour la promenade, donc ça sera la seule unique vidéo que je vais faire en Loire-Atlantique. Donc on est du côté de Mont-Saber, à côté de Couture, pas très loin, entre Angers et Saumur on va dire. Donc voilà, et on marche tranquillement, il fait super bon, un peu de vent mais il fait très bon. Donc voilà, on va avancer, la vidéo va pas être très longue, mais voilà, on avance tranquillement. Avec le WAF, on vient de marcher à peu près 5-6 km et en fait on retombe sur le GR, hein, j'avais vu ça, direction de l'abbaye. En fait c'est un GR, c'est le GR3, j'ai regardé ça sur Géoportail. Bon, le but c'était pas de le faire, mais c'était de passer par là. Donc voilà, et ben, on va prendre le chemin du GR3. J'avais loupé les indications du GR3, c'est le chemin que je recherchais pour aller à l'abbaye de Saint-Maur. Et en fait, je suis passé devant le chemin, celui-ci, et je l'ai loupé. Donc j'ai dû refaire un peu le tour, hein. J'ai pas fait beaucoup, hein. J'ai dû faire 500-600 mètres en plus, c'est pas grave, mais je suis revenu sur mes pas. Et puis en fait, on prend en direction de l'abbaye de Saint-Maur, accompagné de belles vaches à viande sur le côté.
franchement, on est vraiment... C'est vraiment sympa. Tranquillement, on va aller voir à l'abbaye si on peut aller dedans déjà, si on peut aller faire un tour dedans, parce que j'ai le chien en plus, donc ça va être ça va peut-être pas être possible. On va voir, je vais aller voir ça. Les bords de Loire. Alors là, on vient de descendre près de l'abbaye. Et on est vraiment sur les bords de Loire, quoi. C'est génial, quoi. On se croirait à la mer.